Lectio Isaiae prophet. Pitiebus in his corpus est dominus ad acaricens, petes in his sinua domino tempo tuo in profundum infernum, sive in excelero suo sum. Et dixit acas non beta vento tentabo domino, et dixit auditerbo domus natura, nunc quid parum vobis est, molesto esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo. Quod Deo David Dominus ipse vobis sinum, et gene vo concipiet et familiet filium, et vocabitur ad edenus et Emmanuel. Vocibum et per promovete, ulcia demovare marcum et eligere bonum.
Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et c'est le sixième mois pour elle
qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous pouvez vous asseoir un instant. Il est des réalités dans la Sainte Écriture qui peuvent avoir deux significations. Ainsi, l'eau dans la Sainte Écriture est à la fois l'eau du déluge qui va tuer les pécheurs, mais aussi l'eau du baptême qui va faire renaître tous les chrétiens, tous ceux qui croiront en Jésus, leur donnant la vie nouvelle de la grâce. Et de même pour la nuit. La nuit est à la fois ce moment où tout semble livré aux puissances des ténèbres, comme dans la nuit du Vendredi Saint, ou lorsque saint Jean précise que Judas sortit du Cénacle pour aller livrer Jésus, il précise qu'il faisait nuit. C'est ainsi la nuit de la tromperie, la nuit du péché. Mais c'est également dans la nuit que se font les plus grandes œuvres de la rédemption. Pensons à la nuit de Noël, à la venue des anges annonçant aux bergers la naissance du Sauveur, ou même au matin de Pâques où Jésus ressuscite alors qu'il fait sans doute encore nuit. Et c'est ainsi que ces messes roratées, ces messes en l'honneur de la Vierge en ce temps de l'Avent, veulent voir la nuit. La nuit est ce temps, certes, livré encore aux puissances de l'ombre, mais rempli d'espérance vers l'aurore qui va naître. Et si cette messe se célèbre alors qu'il va bientôt faire jour, c'est pour nous rappeler que dans la nuit du péché, la lumière du Rédempteur, la lumière du Sauveur veut naître, veut poindre, et qu'ainsi, la nuit de Noël, pour toujours, les ténèbres du péché seront vaincues par le soleil invaincu, le sol invictus, celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous retrouvons cette même dualité dans le mystère de la croix. Vous le savez, la croix est le symbole d'ignominie par excellence, d'une mort affreuse, mais c'est également désormais pour nous le symbole de notre salut, le symbole de notre rédemption que Jésus est venu obtenir en mourant sur cet instrument de supplice, en offrant sa vie en sacrifice à son Père pour le salut des hommes. Et ainsi, nous-mêmes, nous pouvons déjà, en méditant sur le mystère de Noël qui vient, nous pouvons déjà contempler le but de cette naissance, le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors demandons à Marie, qui était bien sûr présente à la crèche, comme elle sera présente au pied de la croix, de nous faire voir au milieu de nos nuits, au milieu de nos épreuves, le soleil qui point la victoire du Christ, la rédemption du Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Thank you.
Ecce annus Dei, ecce piccoli peccata mundi, domine nam sanctius et in pres pecto meo, sedat in verbo esse natura anima mea. Domine nam sanctius et in pres pecto meo, sedat in verbo esse natura anima mea. Domine nam sanctius et in pres pecto meo, sedat in verbo esse natura anima mea.
Per passione meius et crucem, Madre resurrectionis gloriam perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, prefecte plenit cibo spiritualis aevanune supplices te Domine de peccamur, ut uius participatione misteri, docias nostere padestice, et amare celestia, per Dominum nostrum Iesum